Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve donc pour le premier Colicoty, donc saison 2. Donc le Coliseum quotidien avec aujourd'hui notre petite Ecaflip parce que comme je vous l'ai dit hier, le stuff du roublard est en vente et je suis en train de le refaire et tout ça, donc pour ça mettre un peu de temps avant que je puisse rejouer avec, enfin ça c'est pas le principal. Je me suis réabonné donc je peux refaire des Coliseums, ça c'est bien. Et avant tout, la question de aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est je dis la question au début de la vidéo, je fais le combat et puis après, je parle avec vous des réponses et tout ça à la fin. Comme ça, je fais des dédicaces aux meilleures réponses et tout ça. Donc là, la question de demain, enfin non, de aujourd'hui pour demain, c'est ça que je voulais dire. Elle nous a été proposée par Oupsai 2. Non, Upside Gaming sur Twitter. Donc je vous rappelle avec le hashtag Capitaine Flamme, vous envoyez un tweet avec la question que vous proposez pour le lendemain. Enfin, je choisirai comme ça au hasard. Et donc voilà, nous par Opsi 2. Donc je mettrai, enfin ça va arriver au-dessus à droite de la vidéo, au-dessus à gauche pardon de la vidéo. Vous verrez le tweet. Et donc la question est slip ou caleçon? Donc voilà, c'était une des questions qui était pas mal. J'ai eu aussi des Ingrid, est-ce que tu baises? Par contre, il y a des personnes qui m'ont répondu sur Twitter avec le hashtag, donc c'était pas vraiment trop prévu comme ça, mais c'est pas trop grave. Et bah, en attendant que le colis se passe, on va aller un petit peu regarder déjà les questions, enfin les réponses qui ont été données. Donc hier, oula. Ça que je voulais faire, voilà. Donc hier il y a des gens qui nous ont dit, donc Monsieur Immortel nous a dit McDo parce que j'avais la dalle, oui d'accord. Donc McDo le matin c'est pas mal. The Lapin Gaming nous dit du lait avec des pains et oh, attendez, du lait avec des pains au lait Nutella et du jus de fruits, pas mal, c'est un très bon déjeuner ça je dirais. Lucas LJ bol de trésor. Naedi Zwati, j'ai mangé ce matin un bon petit KFC sauce épicée avec de la mayo et du harissa. Un bon petit déjeuner, ouais, j'avoue, c'est assez hardcore comme déjeuner. Alors, bon, excusez-moi pour la prononciation des pseudos, c'est pas toujours évident parce que il y a des pseudos qui sont un peu. Ah, bah, il y a la bague éternelle qui s'est vendue, ça c'est bien. Il y a des pseudos qui sont un peu chauds à dire, donc pas de soucis avec ça. Donc Stars Team Z, personnellement je ne mange pas le matin, mais quand ça m'arrive je mange souvent des céréales ou encore pendant l'hiver je mange du chocolat chaud parce que j'aime pas trop le café quoi. Et c'est Stars de Alistair, donc merci pour toi, merci à toi d'avoir posté ce commentaire. Alors, non ça c'est pas une réponse, c'est pas une réponse. Mathieu Wadou nous dit simplement rien. Je ne mange pas le matin. Paf. Le gars, il n'a pas envie. Alors, j'ai reçu. Ah ben, il est plus disponible. Alors, Sensei Aaron, un bol de détresse pour aller à l'école. Je sais pas ce que c'est de la détresse. Bon, si vous le savez, peut-être répondez-moi dans les commentaires. Je sais absolument pas ce que c'est. J'ai bouffé des graines de sésame au dragolet avec quelques tranches de sanglier des plaines, un délice. De la part de Mr. Dash. Ça c'est pas mal, ça reste un petit peu dans l'univers Dofus et tout, c'est sympathique. Max Team nous dit un bol de Kellogg's et une tartine au Nutella. Ça, lui il avait faim, c'est bien. Lunatic Kaiser, j'ai mangé un bol de lait avec des céréales Lion. Ça par contre, moi j'ai déjà goûté, je sais pas ce que vous en pensez, mais les Lions en Kellogg, je trouve pas ça super bon. Je sais pas ce que... Enfin, moi en tout cas, ce que j'ai goûté 2-3 fois, franchement, je suis pas très très friand des Lions. Mais bon, y a des potes à moi à l'internat, parfois on en avait en fait le matin, et il y a plusieurs sortes de céréales, donc on pouvait choisir, et parfois je prenais les Lions pour goûter, et je trouvais ça pas super bon. Parce qu'il y a... Y a... Enfin, je sais pas. Je saurais pas dire ce qui allait pas, mais j'aimais pas trop. Alexandre Amio, voilà. Un bol de café avec un croissant et de la confiture. Ça c'est bien, ça. Lui, il a compris ce que c'était un déjeuner de roi le matin. Avant d'aller à l'école ou au boulot, je sais pas.
Alors, où est-ce que j'étais? Le croissant ici. Slater 21 017. Pour petit dé, je mange les vidéos de mon capi chéri. Oh, c'est gentil. Winner Geeker, des miel pops avec du lait. Oh, aussi, c'est pas mal. Alors, slip au caleçon. Hein. Là, je rappelle la question qui était posée par. Attendez. Hein. Il est par Oopsie Gaming. Oopsie, Oopsie, je sais pas comment on dit. Slip ou caleçon, donc c'est la réponse pour demain. Limite, ce que je vais faire, c'est je vais mettre. Ouais, non, en fait. Slip ou caleçon, vous répondez ce que vous voulez, sinon. Je vais. Attendez. En non répertorié. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que c'est normal que tu as 359 vidéos sur ta chaîne et que tu es au niveau 382? C'est normal, c'est parce que il y en a qui sont en non répertorié. Bah attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Je vais agrandir ça. Parce que quand on vient ici, vous voyez là, 382 vidéos mises en ligne. Mais il y en a quelques-unes qui sont en non répertoriées. Elles sont, c'est genre les annonces de live et tout ça, les vieilles vidéos. Et il y en a 2-3 en privé aussi. Ah non, il y en a beaucoup en privé. Ah ouais, ça c'est les vidéos qui bug. En général, quand elles bug fort, je retire la vidéo, je la mets en privé. Voilà. Bah celle-là, elle pourrait redevenir normale. Ça aussi. Ça aussi. Les annonces de live, en fait, faut que je les enlève. C'est des toutes petites vidéos à chaque fois, donc il n'y a pas de souci. Public. Voilà. Je fais ça avec vous, hein, parce qu'en attendant que le Coliseum arrive. On a encore le temps, j'ai envie de dire. Là. Ça, on s'en branle. Ouais, le reste, on s'en fout un petit peu. Donc, je vais me remettre sur les commentaires. Allez, remets-toi. Sans charger la vidéo, bien sûr, sinon ça va être le bordel. Et j'aimerais bien qu'un colis arrive, hein, si c'est possible, parce que sinon je ferai une vidéo où, uniquement où je vais répondre à vos questions. Enfin, où je vais dire vos réponses. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, du miel pop, c'est du lait, on était là. Alors, j'ai mangé des pâtes au beurre, je me suis levé à 15 h de la part de The Nutcrash. Bon, chacun son idée. Aujourd'hui, je me suis levé à 10 h 30, moi, personnellement. On ne mange pas le matin, on déjeune. De la part de Blottier Brian. D'accord. Ok. Ton ou Zan Game. Tang Games. C'est une canette le logo pour celui qui se reconnaît. Ce matin, j'ai mangé un bol de Chocapic avec le reste de pâtes au ketchup d'hier. Pas mal. Des pâtes au ketchup le matin. Ouais. Chacun ses goûts, hein. J'ai mangé un jeune chaton sauce béarnaise. Easy le flamme qui est un petit peu nécrophile. Je sais pas comment on dit. Non. Attendez. Zoophile. Non. Zoovore, voilà. Enfin, je sais pas trop comment on peut dire. Pas grave. Twist Silver, il dit rien. Dofus Evolution, moi, j'ai rien mangé. Si je suis en train de la tourner. Moi j'ai rien mangé, Dofus Evolution, j'ai dit. Mister Nox, j'ai mangé une bonne vidéo d'Humility et de Zophyr Tutoriel, trop cool, plus en bonus de Capi. Voilà. Live ou pas. Non, j'attends un collier pour le collier Coty. Merde. Alors, ce matin, je me suis coincé un Frosties dans le nez, de la part de Stopix87.
Ouais, c'est pas mal ça. Oh, y a... attention, ça va être de l'humour. Aerox sait faire. J'ai mangé, ou plutôt bu, un Capri Sun. Pas mal. Alors, Sam Jan Jan, un putain de bon McDo après une nuit de geek. Pas mal. Nunchina Nane. Nunchina Nane, voilà, c'est mieux. T'es level combien maintenant? Les KS1. Alors, j'ai mangé une tortue multicolore gay crachant des licornes. Ok. Tristan Odos nous dit des Kellogg's. Oui, mais quel Kellogg's? Parce qu'il y a beaucoup de variétés maintenant. El Bouffi, j'ai mangé une tartine avec du bon fromage, j'ai bu un chocolat au lait. Mais voilà, ça c'est un déjeuner salé comme je les aime. Enfin, sucré salé avec le choco. Ice Clan, j'ai mangé une cuisse de licorne arc-en-ciel. Pas mal. Encore un qui aime bien les animaux. Iltain, je sais pas comment on dit. J'ai mangé des croissants fourrés au Nutella. Ça c'est bon. Godgot, il nous dit tout simplement Nutella. Le gars, il veut juste bouffer ça, quoi. Il s'en fout du reste. Bon, j'aimerais bien que le colis arrive quand même. Ah là là. Bon, au pire, ce que je vais faire, c'est je vais faire une ellipse. Et je vous reprends quand le combat commence. Parce que sinon, on va rester pendant 20 minutes. Comme ça fait déjà 11 minutes et on attend toujours le combat. Donc c'est pas mal. Allez, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une ellipse. Et puis, je vous reprendrai. Je vous reprendrai quand le combat commencera. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà, je viens de trouver un combat. Donc ça c'est cool. En espérant qu'on n'a pas une team troll. Donc alors, un Ossa 94, un Fekia 89 et moi 101. Et alors en face, qu'est-ce que ça donne? Steamer 106, EK 126 et EK 94. Oh, il a un quoi quoi machin, je sais plus comment ça s'appelle. Un quoi? Oh, je sais plus. Attends, c'est qui joue en premier? C'est moi. Donc ça c'est bon. Ouais, donc ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué, hein, je vous l'avoue. Donc soyez indulgents. J'attends toujours vos questions, vos réponses à la question et vos commentaires sur le combat, hein, histoire que je m'améliore. Ça va être un peu chaud, hein. Mais bon, on va essayer quand même. Parce qu'une EK agit avec 2000 de vita au niveau 126, ça doit faire assez mal. Ce qu'on va faire, c'est on va reculer. Ah non, s'il y a moyen. Il n'y a pas moyen. On va faire comme ça. Comme ça. Ah oui, 2 PA, ça c'est bon. On va faire perception. C'est pas la bonne liste de sorts, il me semblait bien. Et on va les mettre un destin des cas dans la gueule. Et il devrait pas être loin de mourir normalement. Si je dis pas de bêtises. On va venir se mettre là pour si jamais le Fekka veut donner ses boucliers. Et mon chaton va le terminer normalement. Voilà. Je vais leur dire quand même. Alors. Vous êtes filmé. Boubou. Bon, tant que c'est pas mon tour, je vais mettre en normal. Enfin non, on voit rien comme ça en fait. Oh, il fait mal lui. Oh là là. Bon, ça va être chaton vs chaton, hein. Il y a une mouche qui est sur ma vitre et qui comprend pas que la vitre est fermée. Ça me fait rire ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ma chambre, comment c'était. En gros, il y a tout un mur de ma chambre, c'est une seule baie vitrée. Donc c'est assez grand. Et enfin, c'est transparent, quoi. C'est une vitre normale. Et la mouche,
est dans la vitre, enfin elle est entre la vitre et le store, et elle essaye de sortir et elle n'y arrive pas. Enfin, c'est con quoi, c'est une mouche. Cool, tu n'arrêtes pas Dofus. Eh ben non, je n'arrête pas. J'ai dit que j'en ferais peut-être moins, mais j'ai jamais dit que j'arrêterais. Bah le steamer, il va jouer full soin, je le sens bien. Ça va être assez casse-couille. Elle continue, je sais pas si vous l'entendez, à mon avis non, parce qu'elle est quand même assez loin. Et moi je la vois, hein, la mouche se taper dans la vitre, vraiment bête. Boum, le CC qui passe 153. Ouh là 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 là. Les dégâts qu'il a mis. Nous c'est bien parce qu'il nous donne 5%... Oh non! 12% de résistance en plus, ça c'est bien. Moi j'attrape des assez bonnes résistances. Bon, le crackler il prend assez cher. Elle met une roulette après avoir tapé, bien sûr, ça c'est la règle. Une perception après avoir tapé. LCC par contre. Et voilà, elle finit pas le crackler! Oh terrible! Donc, moi je vais aller sur cet écart-là. Ouais, je vais aller au destin des cas. Puisque j'ai toute ma vie. Je sais pas si vous avez vu le bug, mais j'ai cliqué pile quand en fait les cas étaient venus sur moi. Oh oui, chaton qui fait 400 de soins. Oh, ça c'est bon ça. Bon, bel sosa, il va crever, hein. Ouais, c'est la roulette qui a fait ça. Il a pris cher, hein, les cas. Donc, je suis assez content là, pour le moment. Il y a peut-être moyen si... Ah ben non, il va se faire soigner. Oh putain, ouais, le steamer. Il a tapé 137 quand même. Ouais, non, il va tout près de la gardienne. Là, il va être soigné à mort. J'attends qu'une chose, c'est que celle-là, elle s'avance. Si elle s'avance, je la contourne. Et je mets dessin des cas flip dans le mur. Elle va prendre tellement cher. Elle va aller pleurer chez sa maman. On l'a fait 4. Est-ce qu'elle nous a fait les boucliers? Oui, c'est bien. Donc ça va, il y a... Nous, on a un pilier, on va dire, de notre côté, il y a le Feka. Ah ouais, non, on a deux piliers, en fait. Feka Ossa, c'est une bonne team, en fait. En espérant qu'il ait sa lait spirituel, ça pourrait être pas mal. Le Feka qui protège l'Ossa, ça, c'est bien joué. Bah, ça va, franchement, pour le moment, on s'en sort pas mal. Les autres, c'est un peu brouillon, puisqu'ils foncent dans le tas sans trop réfléchir. Il fait une longue vue sur Sosa pour lui donner de la PA encore. Non, elle peut pas en faire deux fois. Ah mais non, il peut. C'est pas cumulable en fait. Donc il a gaspillé les PA et il continue de faire des longues vues. En fait, c'est un steamer support. Voilà, c'est comme dans League of Legends, les supports. Et cet abonné, c'est MER, c'est ça que je voulais dire. Ah ouais. Je regarde toujours vos commentaires, hein, comme ça, entre les tours et tout ça, si j'ai un peu le temps. Alors, il y a Maxime97003 qui nous dit « J'ai mangé du pain aux céréales avec du jambon de porcasse fumé et une chope de dragolet au cacao importé des plaines herbeuses. Miam. » En tout cas, tu as de l'imagination, Maxime, et c'était très bien tourné ta phrase. J'ai vachement bien aimé ton commentaire. Je vais te mettre un petit pouce vert. Voilà. Enfin, pouce bleu. Ouais, pouce bleu. Oh oui, elle s'est avancée. Oh oui, elle s'avance encore. Tu vas prendre tellement cher. Allez, reste là. Oh oui, des dégâts de poussée. Oh, tu vas prendre cher. Boum. Boum! Allez! Moins 1000 dans sa gueule! Bim boum bim! Il est où le Roxy? Il est où? Oh là là, la Zizou! Et je suis full vitel et putain, elle a pris cher! Pris cher! Oh, comme elle a pris cher! Voilà, par contre, et le crackler, il veut pas mourir, hein. Voilà, il utilise tous ses PA, il va rien faire de son tour, c'est génial. Par contre, notre Fée 4, elle a pris cher aussi. Ouh là là.
Mais je crois que l'ossa à la revive, donc là, elle veut lui mettre tout. Mets-lui tout sur la gueule, je veux dire. Mets-lui tout sur la gueule. Oh, elle met l'immunité en plus. Il reste 7 PA, elle peut faire 2 retours de bâton. Oh oui. Allez, prends ça. Allez, meurs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il m'a mis la mise en garde. Je pourrais pas utiliser de cac, mais c'est pas grave. Donc je pense que quoi qu'elle fasse, si l'ossa invoque un truc bien sympathique, ça peut la faire chier, genre un sanglier ou quelque chose comme ça. Mais un sanglier ici. Comme ça, elle va la pousser vers nous, elle pourra pas se casser. Ah, c'est bien ça. Et au pire, s'il a fini pas, je la termine. Hein. Ok. Pourquoi il a fait ça? Ben, sanglier de l'autre sens. Hein. Pas de soucis, hein, madame. Il a un peu du merde, hein, n'empêche. Voilà, il booste les PA. Oh! Il quitte la partie! Rage quitte! Ah, c'était bon. Bon, en même temps, elle était morte, je pense. Ah non, c'est pas un rage quit, c'est ça. Son contre-coup. On va tout mettre sur les cas maintenant. Bim. Bim. Voilà. Donc il a 300 PV. Putain, les dégâts que je mets. Et j'ai pas encore perdu un PDV. Hein. On est en train de gérer le colicotis là, mais quelque chose de mal, de fou. Et n'empêche, ça va bien avec la question. Bon, demain. Slip ou caleçon? Moi, perso, je dis caleçon. Hein. Des slips, je crois que je n'en mets plus depuis que j'ai... Ouf. 12 ans. Je mets que des caleçons. Alors, il y a Redstone. Redsforn. En gros le type il s'appelle Redstone mais à la place du O c'est un 4. Redstone, un chocolat chaud avec un croissant et de la brioche à Nutella. Au Nutella à mon avis. Alors Paul le BG1 nous dit Repose in peace à moi qui n'ai pas pu manger ce matin. Un peu dégoûté le gars. Voilà, aveuglement. Merde, ça l'a soigné. Ah oh, putain, il a mis une chance d'équerre. Enfin je pense. Contre-coup, chance des cas, ouais. C'est pas grave, on va te péter la gueule. Bon, le steamer. Il va essayer de soigner les cas. Mais il va mourir, hein. Cherche pas. Mais c'est con parce que le steamer joue pas mal, je trouve. Mais ah ouais non, c'est un... Ah c'est un steamer dégâts de poussée, c'est pour ça qu'il lui a fait autant de dégâts. Ça va pas sauver ton pote, hein. Je te le dis tout de suite, entre nous. Tu vas pas le sauver, hein. Voilà le sanglier, il me donne de la vita. Ouais franchement on est une team assez sympa, hein. Alors, il y a Gimp. Non, Gims. Gims 1, 2, 3, 4, il nous dit tarte aux myrtilles le matin. Ah oh oui, bien joué le sanglier. Alors, roulette, 2 PM, destin des cas, boum. Allez, on va voir si j'ai de la chance. Boum! Oh putain, c'est quoi cette luck? Et là, on le troll, on fait ça dans le vide. Et mon chaton, il tape l'attaque tyrell. Et il soigne la fécate. Le pauvre Eka. Il se retrouve avec 58 PV, le gars. Il est sous chance Eka, je lui ai mis du... Oh, attendez, faut qu'on calcule ça, c'était tellement beau. Attendez, on va faire la calculatrice. Deuxième roulette PM qui sort. Alors, ça a donné 500... 76 plus 786. Le gars il s'est pris du moins 1362. Pour 8 PA, je trouve ça sympa. Bon, il a tué notre fée 4.
Au pire, c'est pas trop grave, son contre-coup part. Donc ça, c'est rien. Et moi, je vais mettre la bite au steamer, qui va essayer de le soigner. Mais son contre-coup est tellement gros que ça va servir à rien. Ah ouais, il fait mal quand même. Putain. Moi aussi, j'ai des dégâts de poussée, hein. Mais oui, viens. Putain, ouais, il a fait mal quand même, en fait. Oh là là. Oh là là, les dégâts. Ah ben voilà, j'avais oublié ça. Oh nickel. Oh oui, le sanglier qui tue. Ah oh, c'était beau ça. Continue au destin avec un flip. Je suis chaud avec ce sort là moi aujourd'hui. Sbim. On va se décaler pour donner la ligne de vue à la fécate. Le chaton qui continue de taper. Ça sert à rien mais il fait quand même. Oh les dégâts que je mets. Et n'empêche, on est une bonne team. Là par contre, je sens que je vais mourir. Je sais pas pourquoi. Protège-moi. Mais ouais, mais non, ça sert à rien. Enfin si, il peut me faire des dégâts, mais je crois que je vais mourir quand même. Ah non, fraction, c'est bon. Le steamer, voilà, il va me faire des dégâts, mais... Ça va être chaud, il reste 4 PA. Il peut plus faire ressax, donc il peut le faire que deux fois. Qu'est-ce qu'il fait? Une gardienne. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il y a moyen que je le finisse, hein. Ah non, ça c'est bien joué par contre. Pas de soucis, hein, grand. Oh non! C'est quoi qui m'a tué? C'est quoi qui m'a tué? Attendez, je ne... Ah, je sais, c'est l'attaque Tyrell qui a poussé sur le Fekai et avec la faction, je me suis pris des dégâts. D'accord. Mets un crackleur ou quelque chose à la con comme ça, sinon il va vous défoncer. Bah, la Fekai, ça va, elle tape pas trop mal. Va là. Voilà, comme ça il peut pas faire de ressac. Invoque un truc. Un truc là en fait. Elle peut pas. Pas grave, on gère. Ouais, mais ça va être chaud quand même. Faut que je sois pour deux invoques. Mais là par contre, il a bien joué. Parce que son ressac sur le féquet, il pourra pas le mettre. Il va pouvoir le mettre que sur l'ossa. Ah ouais, mais merde. Ah non, il veut le mettre sur le féquet. Non, il le met sur l'ossa. Ça va. Fait pas trop de dégâts. Et ça va. Bah, il joue bien, franchement le steamer. Il y va à la frappe de crack. Invoque. Tu es un ossa, tu es un invoque. Un sanglier ou un truc à la con comme ça. Il donne des PA, c'est parfait. En espérant que la Feka doit finir par le tuer. Là il peut rien faire le steamer, ça c'est bien joué. Ah si, il va pouvoir ressac. Non! Je vais dire. Imu là ça. Ah non, ça va. C'est contre pas. Et voilà la victoire! Voilà! C'est ça qu'on veut voir, des combats comme ça. 1,2 million, bim! Des combats comme ça où je fais des dégâts de malade. Je vais leur dire. GG. Vous allez passer sur ma chaîne http://www.youtube.com/capitaineflamme. Voilà.
Je vais regarder, là je vais juste finir de dire les commentaires puisqu'on était presque au fond. Donc il y a, on était à Gim, donc Remix DJ nous dit j'ai mangé du Capitaine Flamme avec des frites, frites sans S. Voilà, je suis pas un pro de l'orthographe mais bon, des trucs comme ça je les vois. Maël Diaz nous dit un sandwich au thon, d'ailleurs il m'en reste un deuxième pour maintenant. Bon, bon appétit à toi. Wanted 59 940. J'ai bu un bol de lait avec des tartines de Nutella et un verre de jus d'orange. Pas mal. Crooner. Crooner 16, j'ai mangé des pâtes ce matin au réveil. YOLO! Et ben, c'est fini. J'ai déjà dit tout le monde. Donc voilà, ben, je vais couper la vidéo aussi. Je ferai le petit montage et comme ça je vais pouvoir vous la mettre en ligne. Donc je vous la rappelle. La question de demain, c'est slip ou caleçon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à demain pour le prochain colicotis. Je ferai peut-être un live ce soir sur League of Legends avec vous. Je sais pas encore, je verrai bien. Et donc voilà, ciao ciao.